Bonjour à toutes et à tous, dernière vidéo de ce cycle de cours sur les extinctions de masse. Et aujourd'hui, on va évidemment répondre à la question qu'on s'était posée au tout départ de cette série de cours. C'est quoi cette histoire de sixième extinction? On a répondu à travers les cours précédents à la question qu'est-ce que c'est qu'une extinction? Pourquoi on parle d'extinction de masse? Que veut dire ce massive dans l'expression extinction massive? Qu'est-ce que ça cache comme définition? Qu'est-ce que ça cache comme calcul? Qu'est-ce que ça cache comme concept? Et enfin, on a répondu à la question pourquoi sixième extinction en présentant les cinq autres extinctions de masse, en tout cas les cinq extinctions qui ont été acceptées depuis les travaux de Rope et Sepkoski dans les années 80. Donc on a présenté pourquoi ces extinctions étaient différentes, on a présenté leurs causes et leurs effets, et aujourd'hui du coup on va arriver à cette fameuse sixième extinction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans le temps présent, et on va parler, pour aborder cette question de la sixième extinction et de ce qu'elle cache réellement, on va parler de l'anthropocène. Donc l'anthropocène c'est une autre notion qu'on retrouve beaucoup dans la littérature écologique, mais encore une fois, c'est une notion qui est profondément géologique à la base, et paléontologique en partie. Pourquoi? Bah parce que l'Anthropocène, c'est une époque. Et en tant qu'époque, eh ben c'est un étage géologique. En tout cas, c'est ce que les scientifiques essayent d'établir. Est-ce que l'Anthropocène peut être considéré comme un étage géologique officiel? C'est pas encore accepté, mais c'est un débat en cours. Et du coup, il s'agit bel et bien en fait de faire de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est pas seulement une métaphore pour dire l'être humain a un effet sur son environnement, parce que c'est ça que ça veut dire l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'ère de l'être humain, l'époque de l'être humain. Donc, il s'agit pas seulement de métaphoriser l'effet de l'être humain sous la forme d'un mot. Il s'agit aussi d'en faire un étage géologique réel, ou au moins aussi réel que les autres. Dans la charte stratigraphique. Donc pour commencer, déjà, il faut rappeler que évidemment les étages géologiques, ça sort pas de nulle part, ils ont des définitions, et ces définitions sont généralement, en fait, chaque étage géologique est plus ou moins associé à une faune et à une flore qui lui est particulière, et à un type de sédimentation, une lithologie, qui lui est particulier. Et donc ces étages géologiques sont séparés généralement par des changements de faune majeurs, des changements de faune et de flore majeurs. Les étages comme le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque, par exemple, sont séparés par des crises d'extinction de masse. Entre le paléozoïque et le mésozoïque, on a vu qu'il y avait, à 250 millions d'années, la crise du Permien-Trias. Et entre le mésozoïque et le cénozoïque, nous avons vu qu'il y avait la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années. Donc ces grands étages géologiques, ces aires, sont séparés par des crises d'extinction majeures. Et chaque étage géologique plus petit, les époques et les périodes par exemple, sont aussi divisés séparés par des crises d'extinction un peu plus mineures. Certains sont même séparés aussi par des crises d'extinction majeures, comme à la fin de l'Ordovicien et à la fin du Dévonien par exemple. Donc, faire de l'Anthropocène un étage géologique, c'est pas anodin. On fait l'hypothèse que l'Anthropocène représente un étage où l'être humain a un effet significatif sur sa biodiversité, sur la biodiversité qui l'entoure et sur la géologie de la planète sur laquelle il vit. C'est ça que ça veut dire parler de l'Anthropocène. Ça veut dire parler de l'époque de l'être humain, l'époque à laquelle l'être humain commence à, enfin du moins a un effet significatif sur la géologie et sur la biodiversité aussi. Alors, en quoi l'être humain est différent? Parce que déjà, avoir un effet sur la géologie et sur la biodiversité, c'est pas nouveau. Les carnivores, de toute façon, rien n'existe sur Terre en réalité de façon inoffensive, j'ai envie de dire. L'existence de n'importe quel être vivant se fait aux dépens de l'existence d'autres êtres vivants. Il n'y a pas de forme de vie qui n'ait aucun effet sur son environnement. Alors pourquoi l'être humain est différent d'un éléphant qui défonce une forêt sur son passage, ou d'un singe qui est littéralement en train de casser un caillou? Donc c'est vraiment un effet assez direct sur la géologie.
En quoi l'être humain est différent d'un carnivore en train de chasser ses proies? En quoi l'être humain a plus d'effet que cette horde de gnous en train de défoncer les bords de cette rivière, les bords de cette rivière étant un élément de géologie? En quoi l'effet de l'être humain est-il différent des autres espèces? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Et là, par exemple, j'aime beaucoup cet exemple-là, c'est littéralement des oiseaux en train de foutre le feu. Il y a des rapaces qui, pour débusquer les proies en dehors de leur cachette, transportent activement des braises d'un endroit à un autre pour répandre les feux de brousse et faire sortir les proies comme ça de leur cachette. Donc, l'être humain, ça rappelle quand même des comportements fortement humains. Donc, en quoi l'être humain aurait un effet plus dévastateur que ça? Bon, bah déjà, il y a la quantité de pollution qu'on produit. Une pollution sous la forme de gaz à effet de serre, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi une pollution sous la forme de produits de consommation, voilà, des produits culturels, à base de plastique essentiellement maintenant. Et donc, ces produits culturels s'accumulent à la même manière que des sédiments. Et on a par exemple des grandes accumulations dans le Pacifique, hein, au niveau du vortex pacifique, qui est parfois désigné comme étant le septième continent, hein. C'est une surface qui équivaut quand même à la surface de l'Algérie, donc c'est quand même une surface gigantesque de produits humains qui sont en train de s'accumuler, qui sont en train de se décomposer au milieu de l'océan Pacifique, qui sont censés s'alimenter par de nouveaux résidus, de nouveaux déchets, et cette masse en décomposition de plastique et d'autres déchets, elle est en train de créer une nouvelle forme de sédimentation qui n'existait pas avant, et qu'on appelle des technofossiles, c'est-à-dire des fossiles issus de la technologie. Ils vont réellement devenir des fossiles, hein, ces sédiments. Ils vont réellement former une couche à la lithologie complètement unique, et ce sont réellement des fossiles parce qu'ils ont été manufacturés. Donc ils sont le produit de l'activité d'une forme de vie, à savoir la nôtre. Donc tous ces sédiments, cette nouvelle sédimentation, elle participe à la définition d'un anthropocène, évidemment. On a l'eutrophisation en français, eutrophication en anglais. L'eutrophisation, c'est quand vous avez, à cause d'une pollution, une pollution généralement due à une trop grande utilisation de fertilisants, d'engrais, ces engrais, ce trop-plein d'engrais se retrouve dans les cours d'eau, et là, il fait ce que les engrais font, c'est-à-dire nourrir la végétation, mais en l'occurrence, ça nourrit des algues. Ça nourrit des algues, et ces algues se développent et consomment tout l'oxygène qui se trouve dans des points d'eau trop petits pour arriver à leur apporter suffisamment d'oxygène, et en consommant cet oxygène, bah, ils tuent tout. Et toute cette matière organique se dépose au fond du lac ou de la rivière, ou même d'un bras de mer, par exemple. Toute cette matière en décomposition se dépose et va former, encore une fois, une couche d'argile noire. Donc une couche de sédiments où l'anoxie aura empêché la décomposition de la matière organique. Donc encore une fois, on est face à un effet direct de l'être humain sur la géologie. Donc un signe de l'anthropocène en train de se produire. Autre effet de l'être humain sur la géologie, c'est évidemment l'utilisation des sols. Et en premier lieu, l'utilisation des sols pour construire des habitats, donc l'urbanisation occupe désormais 2,7% de la surface de notre planète, en tout cas de la surface des terres émergées sur notre planète, et l'agriculture occupe quasiment un quart des surfaces émergées. Donc au total, on a plus d'un quart des surfaces sur les terres émergées sur notre planète qui sont anthropisées, qui ont subi l'effet de l'être humain. Et entre autres choses, ce qui vous est illustré ici, l'un des effets majeurs de cette anthropisation des sols, ça va être l'érosion. L'érosion change drastiquement, le régime d'érosion change drastiquement en fonction qu'un sol est anthropisé ou pas. Généralement, les sols anthropisés s'érodent plus facilement. Donc ici, vous avez par exemple le Cap, la ville du Cap. Il y a une centaine d'années et maintenant. Et vous voyez à quel point la ville s'est répandue jusqu'au pied de la Table Mountain, la montagne de la table que vous voyez ici. Vous voyez que maintenant la ville s'étend quasiment jusqu'au pied de la montagne de la table, et il n'y a guère que parce que c'est une réserve naturelle, qu'il n'y a pas encore de maison sur ses flancs en réalité.
Évidemment, un des autres effets de l'activité humaine, c'est le relargage de dioxyde de carbone. Donc, c'est du carbone qui a été autrefois stocké dans les fossiles, dans ce qu'on appelle du coup les carburants fossiles. C'est du carbone qui était autrefois stocké dans les fossiles et qui est maintenant relâché de nouveau dans l'atmosphère par l'être humain. Sauf que là où il a fallu des centaines de millions d'années pour stocker tout ce carbone, là, on l'a tout relâché en à peine 200 ans. Enfin, on en a relâché une grande partie en à peine 200 ans. Donc ça participe à un régime de réchauffement qui est comparable à des régimes de réchauffement qu'on a pu voir lors d'autres grandes crises biologiques. Pas forcément tous des extinctions de masse, mais la crise biologique du PETM, par exemple, pour Paléocène et Éocène thermal maximum, ça a été un grand événement de réchauffement avec beaucoup de relargage de CO2 qui ont eu lieu à cette époque-là et qui ont effectivement provoqué des chamboulements de la biodiversité et du régime sédimentaire, évidemment. Et on a aussi évidemment le Permien-Trias, qui est la crise Permien-Trias, qui est presque envie de dire un avertissement pour nous, hein, c'est-à-dire que là on a effectivement du dioxyde de carbone qui a été relâché par les volcans pendant la crise Permien-Trias. Non pas par une activité quelconque, mais par les volcans. Et à cause de cette activité, il y a du méthane stocké dans les océans qui a ensuite été relâché en encore plus grande quantité, venant enrichir encore une fois l'atmosphère de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au bord du précipice, en train de contempler la possibilité que ça nous arrive à nous. On a déjà des réserves de méthane qui sont en train de se libérer, par exemple en Sibérie, les réserves de méthane de Sibérie qui sont maintenues dans le pergélisol par les températures basses. Donc contrairement aux océans, c'est pas la pression et la température qui les maintiennent au fond des océans. En Sibérie, c'est vraiment juste les températures qui maintiennent ces réserves de méthane sous le sol. Là, ces réserves de méthane maintenant sont en train de se libérer en formant des dolines. Donc c'est ces gros trous que vous avez pu voir dans les à la télévision, par exemple, vous avez entendu là, soudainement il y a un gros trou qui est apparu comme ça en Sibérie, on sait pas d'où. Ben on sait en fait d'où ils viennent, ce sont des poches de méthane qui se libèrent parce qu'elles se dilatent, en fait le méthane se dilate et finit par s'échapper, et du coup en dessous de la poche le sol s'effondre, quoi. Donc ça, on est un peu en train de contempler ça, en train de nous arriver, et la crise Permien-Trias sert un petit peu d'avertissement en nous disant le CO2 tout seul, ça a certes déjà un effet de serre, mais le problème c'est si on met le pied dans une espèce d'engrenage, un emballement avec la libération de Clathrate, ben là on sera pas dans la merde. Voilà. Et puis évidemment, un effet de l'être humain très visible sur la planète, c'est évidemment la perte d'espèces et notamment des vertébrés. Les rhinocéros, là vous voyez, c'était le dernier rhinocéros blanc avant qu'il ne soit lui-même tué. Là vous avez le grand requin blanc qui est une espèce en voie de disparition. Et puis ici, là je vous ai évidemment mis des espèces sud-africaines, puisque je suis censé toucher le cœur de mes étudiants sud-africains, donc vous avez le grand requin blanc, les manchots du Cap et les otaries du Cap, qui sont toutes des espèces protégées et plus ou moins en voie d'extinction. Donc tout ça, c'est des animaux qui sont en train de disparaître à cause de la surpêche, de la pollution, des choses comme ça. J'ai pas à vous faire un cours sur comment l'être humain fait disparaître les espèces. Le fait est, la question est, est-ce que cette disparition d'espèces est anormalement élevée? Et la réponse est oui, comme vous le savez déjà, puisqu'on a déjà parlé du concept d'extinction de fond, hein, de bruit de fond des extinctions, c'est-à-dire la quantité d'extinction qui est censée avoir lieu de manière générale, sans effet particulier, sans effet extérieur particulier. Donc c'est ce qui vous est représenté par cette ligne noire en pointillé. Et voici l'extinction des mammifères en bleu ici, l'extinction des oiseaux, les taux d'extinction des oiseaux en violet. En vert, vous avez la totalité des vertébrés, donc vertébrés qui incluent mammifères, oiseaux, mais aussi grenouilles et reptiles. Et là, en orange, vous avez, donc là on avait tous les vertébrés, là on a que les mammifères et les oiseaux, là on a les autres vertébrés que les mammifères et les oiseaux. Donc ça, c'est en fait au milieu, la courbe en verte, c'est la moyenne finalement des courbes en bleu, en violet et en orange ici. Donc on est sur des niveaux d'extinction qui sont très supérieurs
finalement à l'extinction de fond, en fait, au bruit de fond des extinctions qui devraient avoir lieu de manière générale sans qu'on ait d'influence extérieure. Donc là, on est très au-dessus finalement des niveaux d'extinction normales pour les vertébrés. Pour l'instant, l'effet a surtout lieu sur la mégafaune et sur la faune de moyenne taille de vertébrés. Et j'aimerais pouvoir dire que j'aimerais être suffisamment optimiste pour pouvoir dire que les invertébrés ne sont pas touchés, mais en réalité, les invertébrés sont effectivement touchés, notamment les coraux. Déjà, pour commencer, les coraux, comme je vous ai dit, c'est l'indicateur de perturbation environnementale par excellence. Donc les coraux sont touchés. Il y a beaucoup d'autres invertébrés qui semblent très mal prendre la crise biologique qui est en train d'avoir lieu. Le problème, c'est qu'on manque beaucoup de données. On manque énormément de données. Alors pour l'instant, l'effet observé sur les invertébrés marins n'est pas très très supérieur au bruit de fond des extinctions. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on peut pas dire qu'on est en train d'entrer dans une dynamique d'extinction de masse. Je suis en train littéralement de répondre à la question « La sixième crise d'extinction de masse est-elle une réalité ?» Et la réponse est, pour l'instant, on manque de données pour dire qu'on y est franchement, mais pour les données qu'on a, c'est inquiétant. Donc ça veut pas dire oui, mais ça veut pas dire non plus. On est vraiment en train de contempler un édifice en train de s'effondrer, et est-ce qu'on peut encore agir dessus? Ça, je ne sais pas. Je sais pas mon milieu d'expertise, pour être tout à fait honnête. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour le peu de données qu'on a, on a effectivement un excédent d'espèces qui sont en train de s'éteindre au niveau des invertébrés à coquilles et à protozoaires marins. Donc la mesure, la métrique de la massivité d'une extinction, hein, c'est eux qu'il faut regarder. On a un excédent à ce niveau-là, mais cet excédent n'est pas encore d'un niveau cataclysmique. C'est pas un gros excédent par rapport au bruit de fond. Et c'est rien comparé à la quantité de vertébrés qu'on a perdu. Voilà, c'est ça que ce graphe vous représente. Comparé à ce qui se passe au niveau des vertébrés, c'est-à-dire comparé aux extinctions dont on est témoin sur la terre ferme, c'est rien du tout. Les invertébrés terrestres, par contre, il est possible qu'ils morflent salement. C'est pas représenté ici. Les invertébrés terrestres, c'est essentiellement les insectes, hein. Et vous avez déjà certainement vu cette espèce de compteur qui montre le nombre d'espèces qui disparaissent à chaque seconde. Et ce compteur, il va hyper vite. Et je sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, mais ça fout les jetons à regarder, parce qu'on regarde les espèces disparaître et on fait « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça fout les jetons, pourquoi? Bah parce que c'est les insectes qui disparaissent, en fait. C'est une estimation du nombre d'insectes qui disparaissent, qui est, si je me trompe pas, qui, il me semble, est mesuré en fonction du nombre d'espèces endémiques par arbre dans la forêt amazonienne, multiplié par le nombre d'arbres qui se font couper à chaque seconde dans la forêt amazonienne, en fait. Donc, faut savoir que dans la forêt amazonienne, il y a des espèces qui sont endémiques par arbre. C'est un truc de fou, mais il y a vraiment des arbres qui ont des espèces endémiques. Et les estimations les plus optimistes en termes de nombre d'espèces et les plus pessimistes en termes de nombre d'espèces qui s'éteignent, du coup, bah c'est qu'il y a à peu près 30 espèces d'insectes qui sont endémiques dans chaque arbre dans l'Amazonie. Alors je sais, hein, si vous n'êtes pas spécialiste d'entomologie en forêt amazonienne, ça peut paraître un nombre excessif, hein, 30 espèces endémiques par arbre dans la jungle amazonienne, mais faut voir qu'on connaît assez peu finalement ce qui se passe au niveau des insectes dans la forêt amazonienne, quoi. Après, si vous êtes entomologue vous-même, vous pouvez commenter là en dessous de cette vidéo pour nous dire si je suis loin de la vérité, très au-dessus ou très en dessous. Moi, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que effectivement, il y a des compteurs d'espèces. Ces compteurs d'espèces, en fait, bah ils sont assez réalistes dans le sens où bah si vous partez du principe qu'il y a entre 10 et 30 espèces endémique d'insectes par arbre, comme on a pu l'observer à certains endroits de la forêt amazonienne, parce que ça a été observé, hein, évidemment, ça sort pas de nulle part. S'il y a effectivement autant d'espèces endémiques par arbre, et qu'on coupe littéralement des milliers d'arbres, voire des milliers d'arbres par jour, parce que c'est le niveau de déforestation où on en est aujourd'hui, bah oui, on perd, à chaque arbre coupé, on perd entre 10 et 30 espèces. Voilà. Et donc, d'où la rapidité de ce compteur. D'où la raison pour laquelle ce compteur, il défile à une vitesse ahurissante.
Et c'était là, c'est une triste estimation de la réalité. Une triste estimation de la réalité. Ce n'est pas une triste réalité encore, mais... Enfin, je peux pas appeler ça une triste réalité, mais la, l'estimation est raisonnable, par contre. L'estimation est très raisonnable. Bref, donc, est-on dans une phase d'extinction de masse? La réponse est non, étant donné que la métrique de l'extinction de masse, c'est le nombre d'extinctions d'invertébrés et de protozoaires marins à coquilles. Donc on n'a pas encore, quantifié d'énormes extinctions de ce point de vue-là. Ceci étant dit, la vraie grande question, pour si vous vous posiez la question, je pense que la vraie grande question derrière ça, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'attendre d'être dans la merde jusqu'au cou pour réagir? C'est plus ça la véritable question. Je rappelle que pendant une extinction de masse, par définition, ce sont les espèces dominantes qui crèvent. Voilà. Bref. Et un autre symptôme, on va dire, du mal-être qui peut avoir lieu pendant l'Anthropocène, c'est évidemment les espèces invasives qui se répandent au fur et à mesure aussi que les humains se répandent. Hein. Les humains transportent des espèces, certaines de ces espèces sont invasives. Et le problème de ces espèces invasives, c'est qu'elles n'ont pas aucun effet sur l'environnement qui les entoure. Littéralement, en Afrique du Sud, par exemple, il est estimé que les espèces invasives pompent des millions de mètres cubes d'eau parce que que les espèces endémiques ne pomperaient pas si et seulement parce que ces espèces invasives sont des espèces généralement européennes, pas du tout adaptées au climat africain. Donc ces espèces, elles transpirent énormément. Hein. Les arbres pratiquent ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc ce sont des espèces qui sont mal adaptées à la chaleur et au manque d'eau en Afrique. Et du coup, elles transpirent énormément et consomment énormément plus d'eau. Donc c'est un vrai problème dans un pays comme l'Afrique du Sud qui manque d'eau. Hein. Je rappelle que le Cap, en 2016, il comptait les litres. Hein. Enfin, il comptait les jours avant la fin des réserves d'eau. Vous imaginez, c'est une ville de 4 millions d'habitants C'est une ville de 4 millions d'habitants où ils ont failli couper les robinets. Point final. Il n'y avait pas de plan de secours. Hein? Il n'y avait pas de plan de secours. Rien. Nada, que dalle, zéro. Bref. Donc, c'est un peu ça qu'on contemple aujourd'hui. On contemple ce genre de catastrophes qui seront d'abord humanitaires, puis écologiques, puis... juste des catastrophes de manière générale, quoi, bref. Il n'y a pas que les plantes hein, qui foutent la merde, il y a les animaux aussi. Du côté des animaux, on a évidemment en premier les chats. Viens là, le chat. Tiens, tu vas illustrer la vidéo, le chat. Viens. Le chat a commis l'erreur de se mettre à côté de moi pendant que j'enregistre mes cours. Voilà, tiens, le chat. Donc, votre chat domestique, à chaque fois qu'il se promène dehors, il chasse des animaux, des petits animaux, de la petite faune, de la microfaune. Et cette microfaune, hein, tant qu'il y a qu'un seul chat, ça va. Le problème, c'est que il y a des gens, à peu près tout le monde ou presque, a un chat, hein. Et puis il y a des gens qui ont plein de chats. Et quand vous laissez sortir votre chat, votre chat, il défonce la biodiversité. Alors oui, je sais, tout le monde se trouve une excuse. Tout le monde dit, oui, mais moi mon chat, il tue rien. Oui, mais moi mon chat, il tue que les mulots. Alors déjà, il tue que des rats. Déjà, vous savez probablement pas faire la différence entre un rat et un mulot. Justement, c'est pour ça que je voulais pas utiliser le mot mulot. Donc, vous n'êtes probablement pas qualifié pour faire la différence entre un rat et un mulot. Donc, certainement pas pour faire la différence. Et encore moins avec une musaraigne. Donc, essayez pas de vous convaincre que votre chat ne tue que des rongeurs. Et en plus, les rongeurs, c'est pas que des rats. Il y a aussi plein d'autres espèces de rongeurs qui ne sont pas des rats et que votre chat tue de façon sans discernement. Donc votre chat, à chaque fois que vous le laissez sortir et qu'il tue quelque chose, en fait, il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que les chats ne ramènent que 25% de ce qu'ils tuent. Donc quand votre chat vous ramène un rat, ça veut dire qu'il a tué 3 autres bestioles. Et puis quand votre chat vous ramène rien, c'est possible qu'il en ait tué quand même, mais c'est juste que en moyenne, c'est 25%. Donc vous n'êtes au courant que de 25% des meurtres commis par votre chat, et non, votre chat ne tue pas que pour se nourrir, votre chat tue aussi pour le plaisir. Ça l'éclate de chasser, donc ça l'amuse beaucoup, d'autant qu'il s'ennuie. Il a pas faim, mais il s'ennuie, votre chat, c'est bien pour ça qu'il se promène. Donc bref,
Gardez votre chat à la maison et amusez-vous avec, parce que c'est bien pour ça que vous avez un animal de compagnie. Amusez-vous avec votre animal de compagnie, comme ça votre chat ne s'ennuiera pas et il aura beaucoup moins envie de sortir. Et puis il y a les rats et les souris qui ont été importés par accident à plein d'endroits différents. Les rats et les souris, bah, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure tourner en boucle là. C'est une souris en train de bouffer un albatros tout cru. Parce que l'albatros, il vivait sur une île, c'est sur l'île des Canaries je crois. Et donc sur cette île, l'albatros, ils ont jamais évolué pour développer une réponse à une invasion de souris en fait. C'est la première fois qu'ils voient des souris de leur vie, enfin de leur existence évolutive. Ils ont jamais développé de résistance contre ça, donc littéralement, quand ils se font bouffer par des souris, bah, ils ne réagissent pas. Et c'est le cas de la plupart des espèces. La plupart des espèces qui n'ont pas développé de défense contre des espèces invasives vont se laisser bouffer ou concurrencer sans réagir. Donc, c'est les espèces invasives, c'est pas que nous, l'espèce invasive, il y a aussi tout le cortège de belles petites saletés qui nous accompagnent, qui fout un sacré zbeul. Partout où ils débarquent, et notamment sur les îles, hein, évidemment. Après, il y a plein d'autres dommages qui peuvent être causés par la biodiversité et qui sont difficiles à quantifier, difficiles à observer. Comme on a dit plus tôt, il y a toutes les formes de pollution, par gaz, c'est assez difficile à suivre. Toutes les formes d'acidification de l'océan, voilà, l'acidification des océans, c'était quelque chose qu'on sait observer, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à quantifier, et puis finalement, et c'est quelque chose où qu'on a encore plus de mal à dire à quel point ça affecte la biodiversité, parce que tant qu'on se borne finalement à essayer de quantifier un nombre de disparitions, on voit pas les... Si on ne se borne qu'à quantifier les disparitions, en fait, on ne verra pas tout ce qui est autre changement affectant la biodiversité, et notamment la mauvaise santé, par exemple, des coquillages dus à l'acidification des océans, que j'ai déjà mentionné avant. Donc ce sont des facteurs à garder en tête quand on parle de l'anthropocène et de l'effet de l'être humain sur son environnement. On parle pas seulement de disparition d'espèces, on parle aussi de changements dans la santé en fait des espèces. Par exemple la saïga qui est une antilope qui est devenue très très rare mais qui n'a pas encore disparu, on sait que la population restante est en très mauvaise santé. On sait que sa diversité génétique est très très faible, on sait que c'est une toute petite population et on a déjà une première fois contempler la quasi-extinction de la saïga, le jour où elles ont commencé à attraper une maladie qui commençait à les décimer tous, elles n'avaient pas la diversité génétique qui leur aurait permis de combattre la maladie efficacement, quoi, ou au moins une petite partie de la population de survivre. Alors, ils ont survécu quand même, ça va, mais ça veut dire que la diversité génétique de la population qu'on a maintenant est encore plus mauvaise qu'avant. Les chevaux de Przewalski, idem, on a regardé de très près, on a vu de très très près leur disparition complète, on a réussi à plus ou moins les préserver avec une diversité génétique horriblement basse. Le taux de difformité faciale chez les chevaux de Przewalski aujourd'hui est horrible. Donc ce ne sont pas des populations en bonne santé. Donc oui, ouf, la disparition a été évitée, mais c'est des populations qui sont en très mauvaise santé. Voilà. Le cacapo, par exemple aussi, le cacapo qui était un oiseau, un perroquet terrestre, un très beau perroquet terrestre. C'est un perroquet qui autrefois vivait dans quasiment toutes les îles de la Nouvelle-Zélande et qui maintenant ne vit plus que sur une île. Pareil, c'est pas une population qui est en bonne santé, c'est une population qui a été constituée à partir des restants des populations de toutes les autres îles. Donc c'est une population qui maintenant ne vit plus qu'à un seul endroit, a une diversité génétique hyper réduite. Donc c'est aussi quelque chose, la santé des populations, la santé de ce qui reste en fait, c'est une métrique qu'on oublie très souvent. Parce que c'est difficile à quantifier déjà, mais c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est-à-dire, oui, on a réussi à sauver telle espèce, non, elle n'est pas sauvée du tout. Elle n'est pas sauvée, c'est pas parce qu'on a empêché son extinction qu'elle est sauvée pour autant. Ensuite, il y a aussi les habitats qui se réduisent. Je l'ai évoqué avec le cacapo, mais il y a de moins en moins d'endroits où les animaux peuvent vivre peinards, quoi. Même ici en Afrique, on regarde ça en se disant, je sais que vu de l'Europe,
l'Afrique, c'est un vivier de biodiversité. Vu de l'Afrique, c'est effrayant, parce que on se fait regarder, si vous voulez, on se fait regarder, là, nous, depuis l'Afrique, comme étant un vivier de biodiversité, on regarde autour de nous, et on fait « mais où ça ?» c'est au parc Kruger, ouais. Au parc Kruger, il y a de la biodiversité, éventuellement. Pour ce qui est de la biodiversité qui est réellement à l'état sauvage en Afrique, par contre, c'est moyen. Alors je sais, le parc Kruger, c'est suffisamment grand pour qu'on puisse dire qu'il y a de la biodiversité dedans. Hein. Enfin, que le parc Kruger est suffisamment grand pour qu'on puisse considérer ça comme étant sauvage. Pareil pour le Serengeti, c'est suffisamment grand pour qu'on puisse dire que c'est sauvage. Mais ça reste des parcs, si vous voulez. Hein. Ça reste des parcs, hein. C'est juste que la cage est plus grande. Hein. Donc les habitats qui se réduisent, pareil, on ne voit pas une extinction se produire, mais on sent clairement que quelque chose a changé. Donc c'est ce qui avait été appelé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Dirty Biology là-dessus, mais c'est la shifting baseline. Hein. C'est-à-dire, par exemple, là pour illustrer le concept de shifting baseline, ce lac là, ça s'appelle Oliphant Fountain. Donc la fontaine des éléphants. Bah ça fait 200 ans qu'il n'y a plus un seul éléphant à cet endroit-là. Et en Afrique du Sud, c'est partout comme ça. Hein, des Buffles Valley, la vallée des vallées des buffles, des éléphants de fontaine, des endroits qui portent des noms des animaux qui étaient autrefois abondants et qui maintenant ne sont même plus là du tout. Il y en a partout en Afrique du Sud. Et ça vous montre bien à quel point leur habitat a réduit. Et il y a évidemment les fossiles qui montrent aussi, par exemple, qu'on avait des hippopotames jusque dans le Lesotho avant. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul hippopotame. Voilà. Et alors, cet éléphant de fontaine, elle est alimentée par une rivière qui s'appelle la Crocodile River. Bon, bah, je vous laisse deviner combien il y a de crocodiles dans la Crocodile River, hein. On est entre Pretoria et Johannesburg à cet endroit-là, au fait. Donc bref, l'humain a définitivement un effet significatif sur son environnement, que ce soit au niveau de la biodiversité, suffisamment au niveau de la biodiversité pour pouvoir contempler d'assez près une extinction de masse, même si on n'y est pas encore. On n'est pas loin de l'extinction de masse, pour être tout à fait honnête, et comme j'ai dit, hein, un écosystème, ça reste un système à l'équilibre, au bord du chaos. Alors pour l'instant, ça se maintient, mais à quel moment... Combien de pichenettes on va y mettre avant de le voir s'effondrer notre... J'avais pris la métaphore du funambule dans ma vidéo précédente là. C'est... Donc reprenons la métaphore de notre funambule. Notre funambule, c'est notre écosystème. Et combien de pichenettes est-ce qu'on va lui coller avant qu'il se pète la tronche? Voilà. C'est inquiétant. On est de façon inquiétante. On est proche d'une extinction de masse de façon inquiétante, même si on n'y est pas encore. On sera dans une extinction de masse quand on n'arrivera même plus à garder les cafards en vie. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'en arriver là? C'est ça la grande question. Et on a donc changé aussi la sédimentation, la lithologie de notre époque. Notre époque sera certainement marquée dans un futur lointain. Hein, l'époque qu'on veut appeler l'Anthropocène, ça sera certainement marqué dans un futur lointain par une couche de sédiments qui sera pleine de technofossiles. Voilà, ce sera pas forcément une couche très épaisse de sédiments, mais elle sera pleine de technofossiles. Ce sera certainement un argile noir, puisque cette argile noire sera riche en plastique. Le plastique, ne se décomposant pas, va se transformer en une sorte de charbon, en tout cas un truc proche du charbon, hein, c'est du carbone, le plastique. Donc cette couche riche en plastique et en technofossiles va devenir une sorte d'argile noire, et il y aura certainement des excursions isotopiques à l'intérieur, donc on va voir des perturbations finalement de la géochimie dans cette couche d'argile noire, qui correspondent à tout un tas de pollutions qu'on a relâchées, nous, dans l'atmosphère, et qui du coup se finit par sédimenter dans les océans. Donc c'est certainement ça l'héritage qu'on va laisser en termes d'anthropocène. La question c'est, la question maintenant, c'est quand est-ce qu'on va dater le début de l'Anthropocène ? C'est-à-dire maintenant, il y a plus trop de doutes aujourd'hui sur le fait qu'on a très envie de dire que oui, notre effet est significatif sur l'environnement, suffisamment pour pouvoir dire qu'un Anthropocène puisse exister. La question maintenant, c'est quand est-ce qu'on commence ? Et c'est là que ça devient compliqué, et c'est là qu'il n'y a toujours pas de consensus qui a été établi, en tout cas au sein des spécialistes de la stratigraphie.
Parce que voilà, pour définir une époque telle que l'Anthropocène, il faut savoir quand elle se termine et il faut savoir surtout quand est-ce qu'elle commence. Alors, quand est-ce qu'elle se termine, c'est assez facile, l'Anthropocène étant la dernière époque de son ère géologique, bah, elle se termine au moment où je vous parle maintenant, elle se termine au moment où vous m'écoutez, bref, elle se termine au présent. Ça, c'est la, le présent, c'est la limite, la fin de l'Anthropocène. Jusqu'à ce qu'on passe, jusqu'à ce qu'on se décide à nommer une future époque. Mais bref. Maintenant, la définition de l'Anthropocène, elle doit aussi incorporer quand est-ce que l'Anthropocène commence. C'est-à-dire que si on admet que l'impact de l'être humain a été significatif, il faut aussi déterminer quand est-ce qu'il a commencé à devenir significatif. Et c'est là que ça devient un gros problème. Parce que l'impact de l'être humain sur son environnement, ça date pas d'hier, et c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Donc par exemple, en termes d'extinction de la mégafaune, l'extinction de la mégafaune sud-américaine, elle est datée d'entre 10 000 et 7 000 ans. L'extinction de la mégafaune nord-américaine, elle est datée d'environ 10 000 ans. Et l'extinction de la mégafaune en Australie, elle est datée de 50 000 ans. Et vous avez d'autres extinctions de mégafaune de moindre ampleur ailleurs et encore plus vieilles. Donc, par exemple, si on veut prendre l'extinction de la mégafaune qui est comme un effet direct de l'être humain sur son environnement et sur la biodiversité ici en particulier, bah, on voit bien que le début de l'effet de l'être humain sur son environnement dépend aussi de quand est-ce que l'être humain est arrivé dans cette partie-là de l'environnement. Donc, en l'occurrence, il y a 50 000 ans en Australie, il y a 25 000 ans en Amérique du Nord et il y a 10 000, 15 000 ans en Amérique du Sud. Bref, quand on veut définir l'Anthropocène, il faut bien prendre en compte le fait que l'être humain n'a pas eu un effet immédiatement après son apparition et certainement pas un effet global immédiatement après son apparition. L'être humain, il n'est pas arrivé partout au même endroit au même moment. Donc, ça va poser problème. Tout ça, ça va poser problème. Au niveau de la définition de l'Anthropocène, du début de l'Anthropocène. Donc par exemple, l'extinction de la mégafaune australienne, c'est 50 000 ans, et l'extinction de la mégafaune nord-américaine, c'est 10 000 ans. Donc quand bien même vous imputez la responsabilité de ces extinctions à Homo sapiens, ces deux extinctions sont séparées par 40 000 ans. Voilà. Et ça pose un problème quand on cherche à pointer du doigt le début d'une époque géologique. Alors, en ce moment, le consensus a l'air de s'établir autour des essais nucléaires. Les essais nucléaires, c'est quelque chose qui a été créé par l'être humain, définitivement, qui a eu un effet global, parce que les essais nucléaires, ça répand de la radioactivité partout dans le monde. Et oui, les essais nucléaires ont laissé des traces partout dans le monde, notamment un excédent de césium et de plutonium dans les sédiments. Donc ça a un effet global, et on connaît exactement les dates de ces essais nucléaires. Donc à partir des années, ça a commencé, on sait que ça a commencé dans les années 40. Donc on sait que ces essais nucléaires sont très faciles à dater, hein, puisqu'on connaît les dates. Ils sont très faciles à retrouver dans les sédiments, puisqu'on voit des excursions de césium et de plutonium dans les couches de sédiments de cette époque. Et du coup, du fait qu'on arrive à retrouver ce césium et ce plutonium, bah, ça permet de dire, dans une colonne stratigraphique, de dire quel sédiment correspond aux années 40, en fait. Ça permet immédiatement de pointer du doigt, bah voilà, c'est les dépôts des années 40, c'est là. Ou en tout cas, qui se sont formés à partir des années 40, c'est là, parce que on a un enrichissement en césium et en plutonium dans ces sédiments. Donc, le consensus aujourd'hui s'établit autour des années 40 avec les premiers essais nucléaires. Le problème avec ça, bah, c'est que dans les années 40, on est déjà à la Deuxième Guerre mondiale. Et en réalité, quand on parle d'essais nucléaires, on est même plutôt en 1945, c'est-à-dire on est plutôt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas si vous vous imaginez la quantité de bordel qui se sont déversés dans les océans pendant les deux premières guerres mondiales, mais en gros vous avez les États-Unis qui ravitaillaient l'Angleterre pendant la première et pendant la deuxième guerre mondiale. Il y a littéralement des milliers de tonnes de cargo qui ont été déversées dans l'Atlantique, qui se faisaient couler par les U-boats allemands pendant les deux guerres mondiales. Est-ce que vous imaginez la quantité de biodiversité qui a été rasée par le déferlement des Panzers?
qui ont été défoncés pendant la guerre de tranchées. Est-ce que vous imaginez la quantité d'espèces invasives qui ont été transportées par les troupes pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'elles étaient transportées dans les colonies de l'Angleterre et de la France? Enfin, est-ce que vous imaginez la quantité de choses qui s'est produite avant les années 40 et qui ont déjà mis un bordel colossal au niveau de la biodiversité et de la sédimentation? C'est juste gigantesque. En fait, en faisant commencer l'Anthropocène à l'ère nucléaire, on fait commencer l'Anthropocène beaucoup trop tard. Et ça, évidemment, vous pouvez être sûr que même si vous regardez cette vidéo alors que l'Anthropocène est devenu un étage officiel qui démarre officiellement en 1945 avec le premier essai nucléaire, par exemple, vous pouvez être certain que cette décision ne fait pas l'unanimité. À l'heure où je vous parle, cette décision ne fait pas l'unanimité et n'est pas encore actée. Mais même si la décision a été actée, vous pouvez être certain qu'elle ne fait absolument pas l'unanimité. Vous pouvez être certain qu'il y a des gens qui font entendre leur voix pour dire « Mais non, l'Anthropocène, le faire commencer à l'ère nucléaire, c'est trop tard. » On avait déjà... voyez, si je vous remets la courbe là des extinctions, l'excédent d'extinction des mammifères ici, il avait déjà commencé avant les années 1500. Vous voyez qu'on est déjà très très au-dessus. Dans les années 1500-1600, on est déjà très très au-dessus du bruit de fond des extinctions. Le bruit de fond des extinctions, je rappelle, c'est la quantité d'extinction qui est censée se produire normalement. On est déjà très au-dessus. On est déjà en excédent d'extinction dès les années 1500. Et regardez, là, dès les années 1600, ça s'accélère pour tous les vertébrés. Donc, arriver en 1950, là, par là, c'est déjà trop tard. Arriver en 1945, ici, là, ça doit être dans ces parages-là, sur ce graphe, c'est déjà trop tard, en fait. Donc, vous pouvez, et ça, c'est que pour les extinctions d'espèces. En réalité, il y a plein d'autres effets sur la sédimentation qu'on a eu bien avant ça. Donc, par exemple, bah, la révolution industrielle, c'est là qu'on a commencé à exploiter le charbon pour faire tourner les machines à vapeur. Donc, c'est là qu'on a commencé à relâcher du CO2. Et ça a commencé dès l'invention de la machine à vapeur en 1784. On pourrait faire commencer l'Anthropocène à cet endroit-là. Ce serait peut-être plus pertinent. Ça ferait coïncider l'Anthropocène avec la révolution industrielle. On pourrait faire commencer l'Anthropocène avec le néolithique et la révolution de l'agriculture, puisque c'est là qu'on a commencé à éroder les sols de façon incroyable, c'est là qu'on a commencé à faire de la déforestation. Mais encore une fois, le problème, c'est que l'agriculture, ça n'a pas eu lieu partout au même moment. Ça a commencé, certes, au néolithique en Chine dans le Proche-Orient, dans le croissant fertile, mais ailleurs, ça n'est arrivé que beaucoup plus tard. Alors on pourrait se dire, bon bah, on n'a qu'à dire Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique, 1492, c'est bien là que la culture occidentale, qui est quand même la majeure responsable des maux de ce monde, bon en tout cas en matière de réchauffement climatique et de changement lié à l'Anthropocène, c'est quand même avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique que la culture occidentale, mère de tous les maux de ce monde, a commencé à devenir global, à avoir une influence globale. Et je rappelle, la globalité est un facteur important dans la détermination de la massivité des événements géologiques, dont les extinctions massives font partie. Donc bref, on pourrait prendre aussi 1492, ça a été proposé de prendre 1492 comme étant le début de l'Anthropocène. Et là, vous pouvez voir qu'en réalité, et on pourrait même repousser jusqu'à l'apparition de l'être humain, en fait, hein, l'apparition de l'être humain. Et d'ailleurs, pourquoi même se limiter à l'apparition de l'être humain? Pourquoi pas utiliser la première influence que l'être humain a eue sur la géologie, à savoir, bah, casser un caillou. Voilà, la première fois que l'être humain s'est mis à casser du caillou, c'était il y a 3,3 millions d'années. C'est la première fois que l'être humain a laissé une trace sur la géologie, littéralement. Ça a été proposé aussi, on pourrait faire... Et du coup, ça ne serait pas limité, l'Anthropocène, dans ce cas, ne serait pas limité à l'être humain, puisque il y a 3,3 millions d'années, il y avait que des australopithécinés, hein. En l'occurrence, ce serait peut-être Kenyanthropus. Donc, pourquoi se limiter à l'être humain, finalement? Bon, et vous voyez qu'en fait, de tous les...
de toutes les choses qui pourraient marquer le début en fait de l'anthropocène, hein, le relâchement de méthane, relâchement de CO2, l'érosion des sols, les forêts, la destruction des forêts, l'agriculture, la domestication, tout ça, ça on peut faire remonter à différentes époques, et tout ça ce sont des, et puis évidemment il y a les extinctions de mégafaune dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles n'étaient pas, même pas elles-mêmes, contemporaines les unes avec les autres. Tout ça, ce sont des facteurs possibles. Tout ça, ce sont des débuts de l'anthropocène possible. Le fait est que l'être humain, l'influence de l'être humain sur son monde, a été ce qu'on appelle en anglais un slow burn, quoi. Ça a été très graduel en réalité. Donc pointer du doigt le début de la merde, c'est pas évident. C'est même, pour ainsi dire, quasiment impossible. Donc quelle que soit la définition qui est prise au final, ce sera une décision qui sera arbitraire. Mais pour l'instant, en tout cas, on est, il n'y a pas vraiment de consensus qui, enfin, il y a un petit consensus en train d'émerger sur 1945. Mais vous pouvez être certain que ça ne fera jamais l'unanimité. Donc, quand est-ce que l'anthropocène commence? Point d'interrogation. Vous pouvez y réfléchir, vous pouvez proposer, hein. Mais il est certain que l'anthropocène l'anthropocène finalement, c'est une notion qui est loin d'être facile à manipuler. Voilà. Et même si vous la retrouvez dans la littérature écologique présentée comme si c'était un fait établi, la vérité c'est que non. Hein. La vérité c'est qu'on n'en sait rien. Est-ce que l'anthropocène... Oui, l'être humain a une influence significative sur son environnement, mais est-ce qu'on arrive à dater exactement de quand est-ce que ça a commencé? Bon, bah là... Dire, est-ce que vous considérez la révolution industrielle, par exemple, hein, je vais un petit peu rebondir sur le fait, je dis la civilisation occidentale maîtresse de tous les maux de ce monde, mais enfin mère de tous les maux de ce monde, mais en réalité, considérez-vous la révolution industrielle comme étant quelque chose de ayant eu plus d'effet sur le monde que l'arrivée des aborigènes en Australie, qui, je le rappelle, a éliminé la mégafaune australienne. Voilà, c'est... Donc, la civilisation occidentale mère de tous les maux de ce monde, oui, mais c'est aussi parce qu'on demande leur avis à des occidentaux. Voilà. C'est peut-être aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'on a tendance aussi, toutes ces dates-là que je vous propose, à part l'agriculture et l'apparition de l'humain moderne et les premiers outils, ces définitions-là que je vous propose jusque-là, c'est des définitions qui sont très occidentalo-centrées. C'est des choses que l'homme occidental considère comme étant important dans le développement de sa culture. Enfin, que l'être humain occidental considère comme important dans le développement de sa culture. Donc c'est peut-être aussi parce qu'on demande surtout leur avis à des occidentaux. Mais enfin, c'est peut-être aussi parce que la science elle-même est d'origine occidentale. Enfin, la science telle qu'on la pratique aujourd'hui est essentiellement d'origine occidentale. Que ça se passe comme ça, vous voyez, ça va jusqu'à questionner finalement même notre identité en tant que culture. C'est ça qui est fou. Quand on essaie de définir l'anthropocène, on en arrive là. On en arrive à se questionner sur à avoir des raisonnements méta sur notre propre culture. Bref, c'est fou. L'anthropocène, c'est pas une question facile. Et donc en conclusion, et ben l'anthropocène, qu'est-ce que c'est? Bah ben, c'est déjà faut être bien d'accord sur le fait que l'anthropocène, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Les plus vieilles couches qu'on pourrait attribuer à l'anthropocène, si on prenait le premier outil comme le début de l'anthropocène, elles n'auraient que 3,3 millions d'années. C'est quand même peu, c'est quand même relativement récent, et la plupart des définitions s'accordent à dire que l'anthropocène commencerait il y a moins de 10 000 ans. La plupart des dates que je vous ai proposées feraient commencer l'anthropocène à moins de 10 000, 12 000 ans, donc à partir de la dernière glaciation. Donc l'anthropocène serait généralement plus jeune que l'holocène, basiquement. L'anthropocène serait un intervalle de temps relativement court, au moins géologiquement parlant, pendant lequel la sédimentation et la biodiversité auraient changé très rapidement. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. C'est que l'anthropocène, c'est un moment de changement globaux, rapide, et qui tendent à devenir de moins en moins sélectifs. Comme je vous l'ai dit, on a surtout des données pour la mégafaune, et pour l'instant c'est surtout la mégafaune qui a été affectée, mais on commence à avoir de plus en plus de données sur des petits animaux qui sont de plus en plus affectés.
Et notamment, on commence à avoir à acquérir des données sur les invertébrés marins à coquille dure, les coraux par exemple, dont on sait qu'ils sont déjà très fortement affectés par les activités humaines. Et là, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on est en train de contempler en fait l'Anthropocène comme étant non pas une époque, ce n'est pas un état géologique. L'Anthropocène, ce n'est pas comme le Crétacé, vous voyez ici, ça c'est le Crétacé ici, ce n'est pas le Crétacé, une couche épaisse de roche qui représente une époque stable. Ce n'est pas cette couche épaisse de roche ici qui représente aussi une époque plus stable, une biodiversité plus stable après la limite Crétacé-Tertiaire, non. L'Anthropocène, il est beaucoup plus comparable à cette fine couche ici d'argile sombre, pendant lequel beaucoup de choses se sont produites et pendant lequel il y a eu beaucoup de dépôts de matière organique qui n'a pas vraiment eu le temps de se décomposer. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure? Bah, c'est exactement ça. C'est l'Anthropocène, ça ressemble beaucoup plus à une limite entre deux étages géologiques qu'à un étage géologique. Et ça, c'est pareil, vous le trouverez dans la littérature, ce débat sur... oui, alors, l'Anthropocène, on est en train de faire ça complètement à l'envers. En réalité, on essaye de définir un étage géologique, alors même que cet étage géologique, par définition, correspond à de grands changements dans la sédimentation et dans la biodiversité. C'est pas un étage géologique, l'Anthropocène. Je suis pas le premier à le dire, et je serai pas le dernier. C'est pour ça d'ailleurs que je vous le dis, hein, c'est parce que je suis pas, je vais pas vous donner mon opinion personnelle, hein. C'est quelque chose que vous trouverez très facilement dans la littérature. L'Anthropocène, ce n'est pas un étage géologique. Il a toutes les caractéristiques d'une limite entre deux étages géologiques. Et c'est bien pour ça que l'Anthropocène n'est pas une époque en réalité. C'est une limite géologique. L'Anthropocène, c'est la couche d'argile sombre entre deux étages géologiques, un qui s'est déjà déposé derrière nous et un qui se déposera une fois que peut-être cette espèce, ce taxon des astres qu'est l'être humain, disparaîtra, qui sait. Bah oui, parce que du coup c'est ça aussi qui fait un peu mal au cul quand on se rend compte que l'Anthropocène c'est une limite entre deux étages géologiques, c'est que du coup nous sommes une espèce, nous êtres humains, qui florissons au sein d'un environnement perturbé. Nous sommes le Lystrosaurus de notre époque. Et ça fait réfléchir. C'est pour ça qu'il y a mon petit lémur là qui fait les gros yeux. Enfin, c'est pas un lémurien d'ailleurs, c'est un tarsier. C'est pour ça que mon tarsier là fait les gros yeux. C'est parce que oui, en réalité, l'être humain, c'est peut-être le Lystrosaurus de son époque et c'est peut-être le taxon des astres de son, pas de son époque du coup, mais de sa limite entre deux époques. Voilà, c'est donc la fin de ce cours. J'espère avoir répondu à toutes les questions, en tout cas toutes celles que j'avais promis de vous fournir des réponses. C'est aussi la fin de notre fil rouge de l'été. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, évidemment, mais vous connaissez la chanson. Et puis je vous retrouve à très bientôt pour la reprise de nos programmes habituels.